Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 1er juin, il est 7h45 quand je vous prends. Je suis en train de me maquiller et je me suis dit, quitte à se maquiller, autant vous prendre en même temps. Je vais pas vous dire comment je me maquille puisque vous le savez, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous allez aussi me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à déjà être prête à cette heure-ci? Enfin, prête, c'est un grand mot. Eh bien, je m'en vais chez mes grands-parents. Je vous avais dit que j'irais jeudi, mais finalement, j'y vais plutôt aujourd'hui, comme ça demain j'aurai bien le temps de finaliser tout ce qui va être valise et également de faire le gros ménage de la maison. Je me dis que si je le fais aujourd'hui, on est encore demain à la maison et donc du coup voilà, c'est pas beaucoup plus pratique pour moi. Donc j'ai décidé de faire dans le sens inverse. Ma mamie devait, enfin elle va nous faire un pain de poisson maison, on adore. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'elle met du thon, des œufs, du concentré tomate, du surimi, il me semble. Bref, ça fait comme un genre de cake au poisson et nous, on adore ça dans la famille. C'est sa marque de fabrique et donc tous les ans quand on va au camping, on lui passe commande avant. Et du coup, hier soir, j'ai envoyé un message pour lui demander quand est-ce qu'elle le faisait, parce que comme c'est pour vendredi. Et du coup, elle m'a dit, bah, je vais le faire que jeudi soir. Et puis après, je lui ai dit, bah, c'est que je serais bienvenue aujourd'hui, comme ça j'aurais vu Jeanne, ma petite cousine, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Elle m'a dit, oh, bah, alors dans ce cas-là, je te le fais tantôt ou ce matin, enfin en parlant pour aujourd'hui, quoi. Et tu peux venir, comme ça tu verras la petite. Et du coup, j'ai mis mon drive du camping, c'est moi qui m'en occupais, à récupérer du coup ce matin. Et j'ai envie d'aller chez Action à l'ouverture. Je suis contente parce que du coup, hier soir, quand Pierre est arrivé, il a vu mes cheveux, il m'a dit « Ah ouais, Gwen, t'as coupé court, là hein. !» Mais il aime bien. En plus, il m'a connu, moi, les cheveux courts. Quand il m'a connu, j'avais un carré plongeant et j'étais brune. Donc, autant vous dire que là, ça le choque pas. Mais du coup, il m'a dit « Ah ouais, t'as quand même fait plus court que d'habitude et tout. » Il m'a dit « Si tu veux, je te paye ton coiffeur, ça fera un bout de ton anniversaire. » Donc, du coup, je suis contente parce que il m'a remboursé le coiffeur. Donc c'est cool, donc du coup je peux aller chez Action. Enfin, malgré qu'il ne m'aurait pas remboursé, j'aurais quand même été chez Action. Mais comme du coup je veux y aller à l'ouverture, j'ai mis mon drive à récupérer à 8h45 parce que tous les premiers mercredis du mois, il y a la foire à Mauzé-sur-le-Mignon. Bon, de chez moi ça fait une petite trotte quand même, ça fait 45 minutes, mais de chez mes grands-parents c'est à côté. Et donc du coup, ma mamie m'a dit, ah ben si tu veux, enfin non, elle m'a pas dit, je lui ai dit, est-ce que vous allez à la foire à Mauzé? Pas que j'abuse trop sur le blush. Et elle m'a dit, bah je sais pas, j'ai besoin de rien et tout, parce que tu veux y aller? Elle me dit, je lui ai dit, bah si vous y allez, je veux bien y aller, sinon, je lui ai dit, tu t'embêtes pas, ça me dérange pas quoi. Et dans ce cas-là, elle m'a dit, ah bah oui, bah comme, bon bah si tu viens, alors on y va. Bon, ok mamie. Donc, voilà, du coup, on va aller à la foire à Mauzé. En fait, c'est une foire, c'est un grand marché, quoi, si vous voulez. Hein. Avec, vous avez des fruits, des légumes, du poisson, tout ce qui est viande, un marché classique, mais vous avez des vêtements. La dernière fois, enfin, moi, j'y suis allée qu'une fois, mais quand j'y suis allée, il y avait des fringues, genre des coques de téléphone. Où clairement j'ai besoin de rien, je rachèterai peut-être des fruits juste pour la fin de semaine parce que ce que j'ai acheté mardi, non mercredi, lundi pardon, autant vous dire que moi quand je tape le nez dedans c'est compliqué de m'arrêter dans les fruits d'été et donc du coup j'ai pas mal entamé on va dire ma petite assiette, vous savez je vous ai montré que j'avais fait. Bref, en tout cas aussi, je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires d'hier soir sur ma coupe de cheveux. Franchement, vous êtes vraiment, vraiment trop gentils. Ça fait plaisir. Je vois que ça vous plaît. Il y en a plein qui m'ont dit que les cheveux courts m'allaient mieux que les cheveux longs. Je vous avoue que je suis du même avis et dans ma famille, tout le monde est un peu du même avis. Je vais juste, là, pour aujourd'hui, me relisser les cheveux et je ne sais pas si vous allez remarquer, j'ai les cheveux attachés. C'est le premier truc que Pierre m'a dit ce matin. Il m'a dit, Gwen, tu viens de te faire couper les cheveux, mais tu peux pas t'empêcher, même avec les cheveux courts, de les attacher. Franchement, c'est une habitude et limite, je me trouve moins bien avec les cheveux détachés qu'avec les cheveux attachés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je peux pas aller contre ça, entre guillemets. C'est une habitude, hein. Je peux pas faire autrement.
Sinon, j'aime pas trop. Je me mets du mascara. Donc, au programme aujourd'hui, je vous ai dit, je pense que si j'achète des bricoles chez Action, je vous ferai le petit haul directement dans ma voiture parce que je suis pas sûre de vous reprendre dans la journée. Ce matin, on a changé les draps avec Pierre. Il m'a aidé les draps de notre chambre. Comme ça, ceux que je vais laver là, pour les draps, je les emmènerai du coup au camping. Donc là, je vais aller nettoyer ma chambre vite fait. Et du coup, je pense que je vais... Attendez. Je pense que je vais vous le filmer. On sait jamais, ça peut peut-être vous motiver à nettoyer en même temps votre chambre. Je me mets du déo d'ailleurs. Aouh! D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce qu'on est sur la fin. Un coup de parfum et ça sera bon. Mon parfum du moment, le Sublimity de chez Brial. J'ai mis mon fer à lisser à chauffer dans le salon et du coup, je vais me passer vite fait un coup de lissage dans les cheveux et je vais vous reprendre après. Bon, il est 8h15. Finalement, je vous ai pas pris pour faire le nettoyage de la chambre puisque j'ai pas eu le temps. En fait, il était 8h. Donc, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai ce soir. En réalité, il y a juste un coup de poussière à faire et passer, pardon, passer l'aspirateur. Donc, on n'est pas sur du gros gros ménage. C'est vraiment l'avantage de faire son ménage au fur et à mesure. Hop, j'ai juste pris un peu d'argent. Enfin, un peu d'argent. J'ai pas pris, c'est Chérie qui me l'a donné pour mon anniversaire. Je vais pas réussir, enfin mon anniversaire, pour me rembourser. Oh là là, que ça m'énerve quand j'arrive pas à faire quelque chose. Je suis pas patiente. Je sais pas vous, mais moi, oh là là. Je suis pas patiente, mais pas patiente, mais pas patiente. C'est vraiment un truc de dingue. J'ai bien ma carte Leclerc. Hop, j'ai vu que mon drive même était déjà prêt. Donc, écoutez, oui, j'ai pris un gilet quand même parce qu'il fait pas chaud. Voilà ce que ça donne les cheveux un peu plus lissés. En fait, je dis à Pierre, mais attends, mais elle m'a très mal coupé les cheveux. Et en fait, pas du tout. Je me suis rappelé qu'elle m'avait fait un genre de dégradé. Donc ça fait en fait comme si il manquait des. Enfin, je me comprends. Bref, du coup, je pars, je vous laisse et je vous reprends, je pense, un tout petit peu plus tard dans la matinée là. Bon, il est 8h45. Heureusement que je vous ai dit qu'il fallait que j'arrête de vous dire bon en début de vidéo. Je sors de chez Action, j'ai pas trouvé des trucs de ouf, sauf une pépite intersidérale. Que j'ai acheté, ça fait un moment que je cherchais des beaux boutons pour mettre, vous savez, à ma table basse. Ma table basse, elle a un tiroir qui s'ouvre des deux côtés et il y a deux petits crochets noirs. Et moi, le noir, vous savez, c'est pas trop trop mon truc. Et du coup, j'ai trouvé des trop beaux boutons effet marbre avec une petite reliure dorée au centre. C'était 2,99 les deux boutons. Du coup, j'en ai pris 4. J'ai hésité à en prendre que deux pour en mettre que du côté canapé, le côté qu'on voit le plus. Et après, je me suis dit non, quand même, Gwen, c'est dommage. Donc, ce que je fais là, c'est que je récupère mon drive. En plus, il n'y a personne, c'est parfait. Et sur la route, comme j'ai mis le sac à côté de moi, je vous montrerai ce que j'ai. Il va faire une marche arrière, je le sens, mais il met son clignot à gauche. Et comme j'aurai à peu près 15 minutes de route ou 20 minutes pour aller chez mamie, elle m'a appelé pour me demander si je pouvais passer prendre le pain comme je passe devant la boulangerie. Au moins, ça lui évite, elle, d'y aller. Donc, il n'y a pas de problème. Ce que je fais du coup, c'est que je vous retrouve une fois que j'ai tout récupéré ici. J'allais encore dire bon. J'ai récupéré mon drive. Le coffre est déjà plein rien qu'avec le drive de course. Alors avec toutes nos affaires à emmener pour le camping, il va falloir que je m'organise autrement. Du moins que je mette ça dans des sacs, vous savez, vraiment de course plus solides que ça. Bref, du coup, je vais vous faire mon petit haul Action.
Pour commencer, j'ai pris un gros rouleau de papier, vous savez, pour essuyer ses mains, là. C'est pour Pierre, clairement, parce que là, il ne fait que de me prendre du sopalin pour mettre dans son garage et ça m'agace. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un ticket de caisse. J'ai pris du savon au fiel de bœuf, vous savez, il est très connu maintenant chez Action. D'ailleurs, j'en ai pris deux, je regarde la route. Pour essayer de trouver le deuxième, si je le trouve pas, c'est pas encore très très grave. Bref, je pense que vous le connaissez. Ça, c'est vraiment un savon genre ultra magique puisqu'il détache vraiment tout. Normalement, il coûte 99 centimes et cette semaine, il est en promotion à 84 centimes. Donc, je trouvais que ça valait le coup. J'ai repris des éponges pour moins de 1 euro également. J'en avais plus, comme je vous ai dit dans mon précédent vlog. Et là, les fameuses poignées, regardez comme elles sont trop belles. Je sais pas si vous allez bien les voir, en tout cas si je les installe aujourd'hui, je vous montrerai ça dans la vidéo. Déjà j'espère que ça va aller, parce que si ça va pas, je vais avoir les boules. Je trouverai toujours pour les mettre ailleurs, je continue de fouiner, mais ça c'est les deuxièmes. Franchement, pour 2,99€ les deux, elles sont mais vraiment trop belles, elles sont hyper lourdes. Donc je pense quand même que ça reste de la qualité. J'ai vu dans le vlog de Family Forever que, enfin dans le vlog, dans une vidéo, qu'elle avait acheté une belle petite plaque de marbre pour mettre à sa cuisine. Et moi je ne l'ai pas trouvée parce que je vous avoue que j'aurais copié sur elle et je l'aurais acheté. J'ai refait le stock de toutes petites pinces, franchement niveau coloris, c'était pas exceptionnel, mais ça coûte 95 centimes les trois. J'ai des pinces, vous savez, le modèle un tout petit peu plus gros, pas l'énorme, mais un modèle un peu plus gros. Et bah là, c'est ce que j'ai mis, mais je vous avoue que ayant quand même là du coup les cheveux courts et les cheveux fins, il n'y a plus trop de masse à attraper. Et donc du coup, c'est compliqué. Bref, histoire de filles quoi. Je pense que si certaines sont dans mon cas, elles vont comprendre. Donc j'ai pris de l'eau et voilà le deuxième. Ça coûtait, je vous dis, 95 centimes les trois. Donc même qu'elles sont pas hyper hyper belles, pour le prix, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'on a ici? Le deuxième savon. D'ailleurs, ma mamie, elle stocke, mais de ouf. Je l'appelle parce que je sais qu'elle adore ce savon. Et je lui dis, ah mamie, il y a le savon fiel de bœuf en promotion Action, comme je viens, est-ce que tu veux que je t'en prenne? Non, non, pas la peine, j'en ai encore 7 à la maison. Mais 7, elle en a pour jusqu'à la fin de sa vie, là, c'est pas possible. Bref, elle m'a fait trop rire. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là, je sens un truc. Ah, j'ai pris des boissons comme ça, si je ne me trompe pas. Je les ai vues dans la vidéo de Aurélie. C'est une fille qui fait, une femme même plus qu'une fille, enfin ça reste une fille, qui fait énormément de haul Action. Et si je ne me trompe pas, ce sont des boissons qui ont le goût, enfin saveur Mojito. Mais comme je suis pas sûre et que j'ai un doute, j'en ai pris que deux, vous me direz déjà. C'est écrit gin tonic, mocktail sans alcool. Donc on va essayer, si c'est bon, de toute façon, je vous le dirai dans une de mes précédentes, de mes futures vidéos, et il doit me rester qu'un seul article, je fais attention. Je suis tombée sur les, vous savez, les petits vases comme ceci là, ils étaient à 1 euro et quelques, je le trouve trop joli. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans sur Instagram, on est allé se promener avec Pierre, je vais ranger au fur et à mesure. L'autre soir, on a été promener la chienne sur le ruban vert. En fait, le ruban vert chez nous, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui a été réhabilitée pour que les piétons puissent passer dessus, ainsi que les vélos, mais pas les engins motorisés. Et j'ai trouvé des superbes petites fleurs séchées. Ça ressemble à du blé parce que beaucoup sur Instagram, vous m'avez dit « Gwen, au mois de juin, le temps, il faut que tu en cueilles 7 et ça te portera chance. » Alors, étant avec un agriculteur, je connais que très bien cette citation, ou je ne sais comment on pourrait dire. Pourquoi il y a des bouchons ici? Mon chewing-gum qui est collé. Et du coup, je voulais juste préciser que ce n'est pas du blé, malgré que certains ont déjà commencé à moissonner l'orge pas loin de chez nous, enfin à Maran, donc c'est pas très très loin de chez nous, et que là, moi, Pierre m'a dit, Gwen, dans 15 jours, j'ai le cul sur la moissonneuse, hein, clairement. Et aussi, bref, ça c'est autre chose. Donc, si vous ne connaissez pas cette tradition agriculture,
ou je sais pas comment on dit, si vous passez dans un champ de blé, il faut couper 7 blés, les attacher et les poser dans un coin. Apparemment, ça vous apporte bonheur et argent pour toute l'année. Donc moi, je vous avoue qu'on le fait. Est-ce que je suis plus heureuse? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai plus d'argent en ce moment? Enfin, en ce moment, j'ai pas gagné au loto, mais en même temps, j'ai pas joué, donc je peux pas avoir plus d'argent. Bref, donc là, pour le haul action, j'en ai eu pour 16 euros de bananes, donc clairement, pas énorme. Est-ce que je vais vous reprendre aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais bref, voilà, le petit vase, j'en reviens à mes moutons. Le petit vase est fait pour mettre ces petites branches que j'ai pris, que j'ai cueillies comme ça avec ma main hein, sur le bord de la route. Et je suis bien contente parce que ce format-là, on va dire, de fleurs séchées, je ne l'avais pas. Et en plus, je vous avais même dit que sur Instagram, si vous allez vous promener dans des champs, dans des trucs comme ça, franchement, il ne faut pas hésiter à cueillir et à faire sécher directement chez vous. Ça coûte tellement, tellement, tellement cher un bouquet de fleurs séchées dans n'importe quelle boutique, même sur internet, que moi personnellement, je ne me prive pas. Alors effectivement, il ne faut pas s'agglutiner que sur un même champ s'il y avait quelque chose. Bon là, en l'occurrence, moi, c'était pas dans un champ. Et si je devais cueillir du blé, j'irais dans un champ à mon mari, comme ça, au moins. Je n'aurais rien à me reprocher. C'est comme les fleurs de pampas. Clairement, c'est devenu un business, mais un truc de malade mental. Alors qu'il y en a dans tout, enfin dans tout. Je veux dire, sur un bord de route, vous allez en trouver. Moi, personnellement, c'est peut-être pas bien, mais ça fait partie de la commune, enfin de la, même pas de la commune, du département, quoi. Je veux dire, ils vont pas être derrière moi à me dire, ah, vous avez coupé 3 pampas, hein. Bref. Chacun son avis. Là, je vais vous laisser et je vous reprendrai cette fois-ci vraiment plus tard dans la soirée. Bon, il est actuellement 16h30. Je viens d'arriver à la maison. J'ai l'impression que mon écran est sale. Attendez, je vais vous nettoyer. C'est vraiment très familial mes vidéos. Est-ce que ça ne serait pas mieux? Hop, j'ai pris mon petit trépied. Je suis partie de chez mon papier, ma mamie, vers 4h30. Et je suis allée chez Kaelo parce que le Kaelo à Niort à côté de chez moi ferme. Et donc, il y avait moins 70% sur le magasin. Donc, j'ai trouvé des bricoles. Je vais vous montrer ça. Là, je viens de décharger toutes les courses. J'ai filé chez Intermarché chercher deux sandwichs pour Pierre parce qu'il est en train de semer. Et donc, il m'a dit qu'il allait tenir jusqu'à tard ce soir, au moins jusqu'à la nuit s'il le pouvait. Et je suis passée au rayon glace. Et dans les rayons glace, il y avait une promotion sur cette marque Pop Polo Granita, ce sont des granités au citron, c'était en promotion à 1,94€ au lieu de 2,95€. Et écoutez, je me dis pourquoi pas, il y a les petites cuillères qui sont fournies avec, mais je me demande, ce citron, waouh, trop bon, moi j'adore le citron, mais je me demande s'il ne faut pas, ouais voilà. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Il faut appuyer un peu dessus pour, si j'en mets partout, pour le casser. Ce matin, il a plu. On a eu 3 mm, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et je suis donc partie en pantalon, manche presque 3 quarts, petite basket. Là, il est 4h30, il fait 27. J'étais au bord de la crève de chaud, quoi. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Attendez. Je vais chercher mon sac et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Kaelo. Alors. Donc, comme je l'ai dit, il y avait moins 70% sur tout le magasin. Ce qui fait que j'en avais pour 87,35€. Opération commerciale, moins 70%, moins 61,15€. Ce qui fait que au lieu de 87,35€, j'en ai eu pour 26,20€, soit ben, 61,15€. Oh là là, je suis fatiguée moi. Bref, on commence par une super parure de lit qui était, elle, au prix, je vais vous le dire parce que comme ça vous allez vous en rendre compte, elle était à 32,49€. Donc c'est-à-dire que pour même pas le prix de la parure, j'ai un sac complet. J'ai pris ce motif-là puisque, comme je vous ai dit, dans l'avenir, j'aimerais bien refaire notre chambre et toujours dans des tons un peu beige, bois, jaune, enfin peut-être un peu de moutarde, du doré, terracotta et tout. Et je me suis dit qu'elle était super jolie. Donc, ça valait le coup.
J'ai repris un super beau collier pour Madame Lucky. Franchement, je le trouvais trop beau en cuir. J'ai pris un long. Et si vraiment c'est trop long, Pierre pourra refaire des trous du coup avec une petite perceuse au collier. Et du coup, je lui ai pris la laisse qui va avec le collier. C'est pas que je veux pas vous donner les prix, mais sinon, je pense que ça va durer clairement 15 ans. Le collier est à 1,89€. La laisse fait 1m10 et elle est à 4,49€. Donc, vous enlevez toujours 70%. J'ai pris un grand tapis de bain puisqu'il fait 50 par 85. Il était à 5,49€ au vrai prix. Ensuite, j'ai trouvé ça. Clairement, j'en ai pas besoin et je ne sais pas si un jour je vais voyager. Mais je me suis dit que ça pouvait toujours servir et que au cas où, je pourrais l'avoir si dans mon entourage, quelqu'un s'en va. À l'intérieur, vous avez des sangles de bagages réglables. Donc ça, ça peut toujours nous servir par contre. Et un adaptateur de prise universelle. En tout, il y a 3 prises. Europe, Royaume-Uni, États-Unis et Australie. Ça coûtait 1,98€. Vous enlevez 70%. Je vous laisse faire le calcul. C'était vraiment dérisoire. J'ai trouvé des microfibres. Je trouvais les couleurs vraiment trop sympas. Je vous avoue que c'est un petit peu juste pour ça que j'ai acheté. Mais c'était 2,49€, toujours à moins 70%. Ensuite, j'ai pris des petits bacs pour réorganiser au niveau de la maison. Je ne sais pas trop ce que je vais organiser, mais 63 centimes l'unité, pareil, à moins 70. J'ai fait le stock de brosse à dents. Mon sac sans mon sac. Donc, j'ai pris deux Colgate en médium, comme ceci. Celles-ci, elles étaient à 1,43€ et j'ai pris un pack avec des têtes flexibles de la marque Signal. Ah non, Aquafresh. Pareil en médium et ça, ça coûtait, je ne sais pas. Ça coûtait 2,86€. Donc pareil, on enlève 70%. Je me suis pris des lingettes démaquillantes. C'est un grand paquet. C'est pour peau sensible, c'est de la marque Cosyderm, c'est sans alcool, sans parabène, à la vitamine E et provitamine B5, c'était 1,69€ les 40 lingettes. J'ai trouvé un petit, mais d'ailleurs il ne m'a pas compris, ah, si. Un petit sweat trop rigolo pour mon petit neveu avec une capuche genre dinosaure. Il est gris et jaune, franchement je le trouvais super sympa avec une fermeture. J'ai pris du 18 mois pour qu'il puisse la mettre maintenant. Elle était à 9,99€. Je lui ai également pris des chaussettes. J'ai appelé ma belle-sœur pour être sûre. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'ils se sont trompés sur les chaussettes puisqu'elles passent à 2€ alors que le prix affiché est de 2,59€ et que derrière, il y a le prix de la marque carrément puisque c'est noté. C'est un Made in France quand même. Et elles sont normalement à 9,90€. Donc, vous enlevez 70% de 2€. Autant vous dire que ça fait vraiment pas cher. Ensuite, j'ai trouvé ce petit kit que je me suis dit que je pouvais laisser dans ma voiture parce que c'est une sacoche qui se ferme en deux ou alors pour laisser dans une valise, je ne sais pas. Mais ça m'est souvent arrivé de faire un point, par exemple, à mes hauts puisque la plupart ceux que j'achète sur Shein ont des décolletés de la mort. Et moi, je déteste. Et donc, du coup, l'autre jour, par exemple, ça m'est arrivé quand on était au resto, le haut a pété, enfin le point. Donc heureusement, comme j'en fais partout, c'était le plus haut qui avait pété. Mais si j'avais eu ça dans ma voiture, je me serais refait un point vite fait. Et ça, ça coûtait 2,29€. Ensuite, j'ai pris des serviettes. Un chemin de table qui vient d'ailleurs de chez Jiffy. Il était normalement à 5,09€. Je ne sais même pas s'il est passé à ce prix-là. D'ailleurs... Chemin de table, 5,09€ et j'ai pris en même temps des assiettes à 2,99€ et il y en a 20 à l'intérieur, je crois. Ça vient également de chez Jiffy. Ensuite, j'ai trouvé cette petite boîte en caoutchouc trop mignonnette pour mon mari parce qu'il adore tout ce qui est mobilette et tout. Et c'est écrit Solex dessus. C'était 1,19€, donc pareil, moins 70%. Franchement, je la trouve trop mignonne. Et pour finir, un truc que je n'avais pas, et comme je raffole des avocats,
une cuillère spéciale pour avocat. Je pense que du coup, vous plongez la cuillère dans l'avocat et là, vous pouvez presser. Donc voilà, en tout cas, j'en ai eu pour 26,20€ pour 22 articles. Donc quand même une housse de couette à 33€. Je suis contente. Par contre, c'était, mais clairement, blindé de chez blindé, de chez blindé dans le magasin. Mais un truc de fou. Faut que je me dépêche à manger ça, sinon ça va vraiment fondre. Je suis toujours à fond les ballons. Là, il est 16h40. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était 4h30. Ah, et aussi, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, je pense que vous connaissez, Family Forever. Ça fait partie de la team Shogun. Et j'ai craqué, j'ai voulu voir, donc on va essayer en direct, live. J'ai craqué pour un parfum qui était en promotion. Je crois que c'était les 30 ml en copie. Enfin, moi j'appelle ça une copie, mais eux diront que ce n'est pas une copie. Du parfum La Vie est Belle, c'est vraiment mon parfum préféré, de chez préféré, de chez préféré, de chez préféré. Donc j'ai pris le 30 ml. Ah non, 35 ml. Et je crois que j'en ai eu pour, avec les frais de port, pour 18€ parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là. Donc je me suis... Ah ah, ça sent direct. Oh, c'est le même. Donc je me suis laissée tenter. Et juste à travers... Oh là là, le truc de fou. Juste à travers, ça sent, mais vraiment. Je vois qu'il y a beaucoup de filles en ce moment qui se lancent dans Shogun. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Déjà, la petite bouteille est vraiment très jolie. Ça fait assez qualitatif, je trouve. Il est où le... Ah, il est là. Ah oui, ça sent pareil. Ah oui. Ah là là. Une copie conforme. Ah, mais je suis choquée. Chez Action, ils en font un qui s'appelle... c'est une petite bouteille rose Amazing qui coûte 1,95€ les 100 ml. Donc là, c'est imbattable. Qui ressemble très fortement aussi, mais qui ne tient pas longtemps, quoi. Ah là là, mais là, il sent aussi fort. Mais je suis choquée. Je crois que je vais lui envoyer un message. Oh, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de... Family Forever, j'ai perdu son nom. Mais moi, je suis vraiment une youtubeuse en carton. Tiffen, je sais plus. Mais en fait, moi, j'ai tellement l'habitude de suivre les gens avec leur pseudo que des fois, connaître leur prénom, c'est... Non, c'est Tiffen. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'informations. Et si je trouve sa page Insta, et du coup, comme ça, vous pouvez vous rapprocher d'elle. Il y a plein de produits ménagers, mais moi, personnellement, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et là, mais clairement, je suis choquée, mais choquée de chez choquée. Je crois qu'on va finir cette vidéo ici, parce qu'elle dure déjà une plombe. Bref, du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. On s'abonne. Et surtout, on active la cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je publie une vidéo. En ce moment, c'est tous les jours. Vous aurez un vlog jeudi, demain, un vlog vendredi. Parce que comme ça, je vais vous montrer le camping où on est. Je vous montrerai le mobilhome et tout. Et après, il n'y aura pas de vlog avant mardi, voire mercredi de la semaine prochaine. Sachant que mercredi prochain, il y a une vidéo spéciale ménage aspirateur. Mais genre méga concurrence du Dyson qui arrive. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Bref, je vous embrasse. À demain !